Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo qui est en fait une redite d'une vidéo que j'ai déjà faite et qui, à ma grande surprise, a beaucoup plu. Sauf que je trouvais que l'image n'était pas terrible, le son n'était pas top et donc j'ai voulu la refaire un petit peu mieux, un petit peu plus qualitative. J'espère qu'elle te plaira. Il s'agit de faire de la méditation, alors c'est plutôt pour ou les débutants ou les gens qui s'y remettent, avec en préalable une séance de EFT. L'idée c'est que quand on démarre sa séance de méditation, des fois on est plein de tensions, plein de stress, de préoccupations, de choses comme ça, et en fait une transition, pourquoi pas, en passant par de l'EFT, justement bah, pour gérer toute la sphère émotionnelle et redescendre et s'apaiser, eh bien, ça peut être une très bonne idée. Donc, cette séance sera découpée en deux temps. Le premier, c'est une petite séance d'EFT qui peut servir de découverte EFT aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, une méditation que tu pourras faire avec moi si tu le souhaites, ou alors tu pourras couper la vidéo et faire une méditation de la durée que tu souhaites. Voilà, moi je vais t'accompagner et te guider dans les différentes phases de cette séance. Dans un premier temps, nous allons commencer par la séance de EFT pour nous libérer effectivement de cette agitation émotionnelle, éventuellement ce stress et ces tensions. Ça va passer par plusieurs choses. Alors si tu n'as pas l'habitude de faire de l'EFT avec moi, sache qu'il faut toujours préparer un verre d'eau. Car en EFT, on s'hydrate toujours au fur et à mesure de la séance pour la circulation hydrique et énergétique. Donc, prépare ton verre d'eau et mets en pause si ce n'est pas déjà fait. Moi, pour la méditation, je vais mettre un timer et je vais me prendre 15 minutes pour la méditation parce que je ne dispose pas davantage de temps. Donc, ça me permettra de méditer un peu avant mon travail. Et pour ma méditation, je vais utiliser une petite bougie parce que j'aime bien allumer une petite bougie et focaliser mon attention dessus un petit peu au début avant de méditer un petit quart d'heure. Voilà le programme que je me propose de partager avec toi. Donc on va pratiquer ensemble et pour commencer, on démarre la séance de EFT. Alors, la posture droite. Les épaules détendues, bien alignées, comme si tu étais tenu, regarde bien, par un fil comme ça, mais sans être crispé. On dégage la colonne d'air centrale pour bien pouvoir respirer avec la poitrine et le ventre. Je fais le mouvement. Et on va faire une première relaxation, une première respiration profonde pour se relaxer. Le ventre, la poitrine. Et on fait une grande respiration maintenant. On boit un peu d'eau. Et c'est parti pour la première phase, la phase d'inversion psychologique destinée à contrer d'éventuels auto-saboteurs, mécanismes de déni et autres blocages énergétiques qui pourraient t'empêcher de bien profiter de ta séance. On y va. Donc, le point karaté qui est là, tu tapotes ou tu masses un peu. Vaut mieux tapoter. Et tu répètes ce que je te dis. Même si j'ai en moi des tensions, de l'agitation, des émotions qui m'empêchent de démarrer directement en méditation, je m'accueille comme ça, tel que je suis, en l'état. Et tu tapes. Une seconde fois,
Même si j'ai des crispations, des tensions, de l'agitation, qui font que j'ai besoin d'une séance de EFT, ou que j'ai envie de faire une séance de EFT avant de démarrer. Je m'aime et je m'accepte entièrement comme ça, tel que je suis, profondément et sans condition. Alors les phrases que je dis, tu peux toujours te les réapproprier avec ton propre vécu. Plus t'es proche de ton propre vécu émotionnel, intérieur, mieux c'est, il faut être connecté à tout ça. Moi, c'est juste des phrases qui guident, mais je t'invite vraiment à te les réapproprier. Même si j'ai encore en moi des agitations, des tensions, même si je préfère faire une séance d'EFT avant de méditer, même si tout ça me stresse, me met un peu en colère, me frustre un peu. Je m'accueille comme ça, tel que je suis, entièrement, profondément, sans aucune condition. Je m'aime comme ça. Je m'accueille. Très bien, la posture toujours bien droite, colonne vert dégagée. On prend une grande respiration, on va boire un peu d'eau. Parfait, la phase d'inversion psychologique est terminée et nous allons commencer la ronde de EFT en elle-même. Simplement, tu tapotes les points que je te montre, tu me suis, et tu dis les phrases que je dis, ou alors tu les dis à ta manière, conformément à ce que tu ressens, toi. Dans l'alignement des oreilles, il y a un point ici au-dessus, on tapote. Tu vois, bien aligné, comme avec un fil, comme ça. D'ailleurs, tout est en tension vers le haut et un sourire en général monte sur le visage. Donc tu laisses aller tout ça. Oh, ces crispations, ces tensions. On va nommer ce qu'on vit en fait. On va nommer et faire une intégration corporelle. Oh, ces crispations, ces tensions. Cette agitation. Quand je fais ça, ça veut dire que tu respires profondément en tapotant. La base des sourcils. Ah, ces pensées, ces ruminations. Je m'en détache. Une respiration profonde maintenant. Le coin des yeux. Donc on stimule des points bien précis tout en faisant un travail bien sûr d'affirmation. C'est un travail complet. Hein. Très. Cette agitation en moi.
ces perturbations, ces choses qui déjà un peu partent. Je les vois, alors là c'est sous les yeux. Je les vois, je les perçois. Ces idées, ces pensées, ces émotions, ces perturbations, ces choses en moi qui encore s'agitent et font obstacle à une bonne méditation. Sous le nez maintenant. Bah. Cette agitation déjà plus faible, je peux la dire et je m'en défais. Je décide, je choisis de la laisser s'apaiser. Sous la bouche. Je laisse tout ça se manifester dans mon corps, dans mes pensées, dans mon être. Je sens s'agiter ce qui s'agite et petit à petit se faisant, je m'apaise. On va faire le bas du corps, mais avant, on va boire un peu d'eau. Respiration profonde, toujours bien droit, bien aligné. Les épaules posées. Très bien. Et alors là, tu as les clavicules, tu descends un peu et c'est parti. Ces choses qui en moi encore persistent, subsistent et s'agitent. Et s'étiolent. Tandis que je m'appelle. Dans mon cœur, dans mon corps, sous la poitrine, là, et déjà le travail d'intégration se faisant, l'apaisement arrivant, la respiration plus calme et plus profonde. Déjà prêt à méditer, tout simplement. Dernier point sous le bras ici.
Les dernières perturbations, tensions, crispations, nuages. Nettoyer. Apaiser. Intégrer, relaxer. Juste bien. Prêt, prêt à pouvoir méditer. Je vais retirer mon bracelet. Voilà. On va faire les derniers points, celui du centre des poignets et les deux autour, comme ça, pour nettoyer, évacuer, défaire les dernières tensions, les derniers stress du matin ou de la journée. Pour finaliser notre préparation à la méditation, je finis de me préparer à méditer. Je te laisse répéter. Je finis de me préparer à méditer. Parfait. Grande respiration. Je remets mon bracelet. Je finis mon verre d'eau. Comme prévu, je me mets un quart d'heure de méditation sur mon timer. Tu peux le faire avec moi. J'allume ma petite bougie pour commencer. Je t'invite à évaluer subjectivement sur une échelle de 0 à 10 ton degré d'apaisement maintenant par rapport au début de la séance. Respiration. Moi, je me mets en tailleur. Toi, tu fais comme tu le souhaites. Bien aligné, les épaules détendues. Et je me sens parfaitement prête à entrer dans ma bulle de calme, détendue, à distance des émotions, des pensées, juste bien, ici et maintenant. De méditation. Personnellement, je vais poser mon attention sur ma respiration et mon corps, tout simplement, en commençant par regarder ma bougie, puis je vais fermer les yeux. Et ensuite, tu ne m'entendras plus pendant un quart d'heure. Bien ancré dans le sol, bien ancré.
Ça y est, ça a sonné, la vidéo est terminée. J'espère que ce moment t'a plu, que la transition de la vie normale à la méditation en passant par l'EFT, eh bien, t'a été profitable. Je te retrouve bientôt sur la chaîne Une Voix qui porte pour d'autres pratiques et d'autres vidéos. Pense à soutenir cette chaîne par le truchement de Tipeee, la recommander, liker la vidéo si tu as aimé, mais un pouce, c'est une bonne manière également de me rétribuer. Commente, si tu as des questions, je répondrai à toutes les questions. Je vous dis à très bientôt sur Une Voix qui porte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!